Yo les potes, c'est Stevie, on se retrouve pour une vidéo, une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, on va découvrir, enfin je vais vous montrer où se trouve le barrette explosif. C'est une arme exotique, du coup c'est plus le même barrette qu'avant, malheureusement. Du coup maintenant c'est le barrette explosif, hein. Ça veut dire en fait au lieu d'envoyer des balles de sniper, ça envoie Ah mince. Ça envoie des bombes collantes. Voilà, ça envoie des bombes collantes. Et voilà. Bah allez, c'est parti. Du coup, dans un premier temps, va falloir sauter ici, juste ici, vous voyez. Tout en haut dans l'île, l'île qui est un petit peu toute seule. Mais par contre, il y a un inconvénient avec le barrette. Enfin, le barrette explosif. C'est qu'il coûte cher. Il coûte vraiment très très cher. Il faut avoir beaucoup de lingots. Voilà, vous voyez ce petit bonhomme là? Voilà, attendez, hop, je prends ça. Voilà, vous le parlez, et voilà. Et là, il coûte 1225 euros le barrette exotique. Bon, ben on va l'acheter, hein. On va l'acheter. Et vous allez voir que, en fait, ce qui est très drôle avec ce barrette, c'est qu'en fait, mais du coup, il envoie pas des munitions normales, en fait. Il envoie des. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, il envoie des grenades collantes. Enfin, ouais, des grenades collantes en fait. Bon, regardez, vous voyez là, ici, il y a quelqu'un. Regardez. Quand vous tirez. Oula. En fait, regardez. Quand vous allez tirer, vous allez voir, vous pouvez tirer. Vous avez vu, c'est des bombes collantes. Et du coup, ça explose en fait. Après, faut savoir tirer parce que. Je sais pas tirer, enfin, je l'ai bien loupé. Bon, voilà, en gros. Vous avez vu là? Là, je lui mets que des balles dans la tête. Alors, vraiment, vous voyez, ça a des inconvénients, mais ça a des bons côtés aussi. Bon, du coup, j'ai eu le temps de faire. Faire un petit contrat. Petit contrat assez facile. Bon, après, je savais qu'elle était derrière, hein, à me tirer dessus depuis tout à l'heure. Oh là là, il y a un stuff là-bas. On n'a pas le temps d'y aller. Voilà, oui. En vrai, le sniper de Mando, il est trop bien. Mais après, il faut avoir le jackpack qui va avec. Bon, du coup, il y avait quelqu'un qui me tirait dessus, mais je sais pas où il est. Elle est là-bas. Oula. Bon, vous avez vu, regardez, vous tirez dessus là, hop. Oh putain, mais what? Mais non, 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 hey, non, vous avez vu là, hey, franchement, franchement, c'était bien ou pas? Que le verre. Est-ce que deux balles ça suffit ou pas? Ouais, non, ça suffit pas. Bah, mais si, ça suffit. En vrai, il fallait juste tirer, ouais, tirer à l'air ou un truc comme ça. C'est le seul moyen que j'ai. Seul moyen intéressant, quoi. What? Qu'est-ce que tu fous là? Ok. Je sais pas qu'est-ce que. Je sais pas si là. Ah, mais du coup, on a eu des balles. Prendre ça. Pourquoi je fais ça moi? Juste à faire ça. Ça s'attendait pas à ça, je pense. Oula. Ah, elle est morte là.
En vrai, le Barrett, il est entre bien et pas bien. Parce que d'un côté, il coûte cher, et d'un autre côté, il peut être bien. Il peut être bien que si t'as vraiment beaucoup de balles, tu peux vraiment spammer, spammer, spammer. Et à ce moment-là, mais vraiment que à ce moment, que à ce moment-là, il peut être bien. Si vraiment tu trouves pas de balles de la partie, tu te fais tuer dès le début. T'auras dépensé 1225 pour rien. Bon les potes, moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. C'était Stevie les potes.